Copenhague exulte littéralement à l'approche de la finale de l'Eurovision. Samedi, le Danemark remettra son titre en jeu. À l'approche du grand soir, les 26 finalistes peaufinent leurs prestations. Switzerland, la Suisse. Parmi les 10 derniers pays qualifiés, la Suisse, donc, avec le titre Hunters of Stars, chasseurs d'étoiles. Slovénie. La Slovénie sera également du voyage, représentée par Tim Karakovac. Poland, la Pologne. Jonathan et Cléo défendront quant à eux les couleurs de la Pologne avec We Are Slavic. Romania, la Roumanie. La Roumanie a décidé d'envoyer à Copenhague deux artistes chevronnés, Paula Selling et Ovi. Emmenée par Carl Espen, la Norvège pourrait bien terminer sur le podium. Greece, la Grèce. Quant à la Grèce, elle propose un bien curieux mélange, synthé et trampoline. Malta. Moins sautillant, plus rock, Malte mise sur sa chanson « Coming Home ». Et en version boys band, les Biélorusses interpréteront Cheesecake. Something Better, le titre défendu par la Finlande, pourrait, dit-on, aller loin, très loin. Et enfin, dernier pays qualifié, l'Autriche, représentée par Conchita Wurst. Sa candidature a dès le départ suscité la controverse. I feel absolutely overwhelmed, so happy and thankful. Sa chanson Rise Like a Phoenix se veut un plaidoyer pour le vivre ensemble au-delà des différences. Un message qui semble peiner à passer dans ce genre de show très calibré. C'est à voir samedi soir à Copenhague.